Lève-toi, soleil. Franchis les portes. Sauvez-vous, votre Altesse. Sauvez votre fils.
Ra, déesse de la miséricorde, je t'en prie, entends ma prière. Délivre-nous, mère de tous les dieux, protège-nous de l'ennemi. Emmène-le, emmène-le vite. Jason. Mon frère. Je savais que ce jour finirait par arriver. Je suis venu ici afin de reprendre ce qui m'appartient. Tu ne reprendras rien. Je préférerais être tué plutôt que de voir ce royaume entre tes mains. Tue-moi. Et s'il te reste un peu d'honneur, épargne ma femme et l'enfant. Mon frère, mon frère, mon frère. Crois-tu que je sois vraiment fou? Ou alors sauvage? Laisse-moi te dire une chose. J'ai toujours su être humble après la victoire. Je ne fais que suivre mon destin. Oh non! Et mon destin, c'est ce royaume. Le seul et unique héritier, le fils. Ayez pitié de lui. Alors, mon neveu. Je vous en supplie, ce n'est qu'un enfant, ayez pitié. Ayez pitié de lui. Très impressionnant. S'il te plaît, ne dis rien. Que voudrais-tu que je te dise? C'est ta position. Tu devrais te caler sur ton pied gauche. Oui, ouais, je sais. On essaie encore ou tu préfères peut-être arrêter avant qu'on se dispute? On arrête. J'ai autre chose à faire que jouer à ce petit jeu. As-tu vu comme le bélier s'enroule autour de la petite ours? Theta et Gamma montrant le chemin. Theta et Epsilon. Oui, bien sûr. J'ai encore fait ce rêve. Les dieux me tourmentent et je ne sais pourquoi. Ce n'est pas seulement un rêve. C'est ta mémoire qui te parle. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'emblème de la déesse Hera. Elle t'offre sa protection. Avant, elle appartenait à ta mère, la reine Polymèle. Épouse d'Aeson, roi de Ioclus. Mon père était roi? Il a été tué par Pélias, son propre frère. Et ma mère? Elle vit toujours. Mais pourquoi je n'ai jamais eu de nouvelles? Ne sait-elle pas où je suis? Quand Pélias s'est emparé du trône, il a fait d'elle sa femme et sa reine.
Mais tu es le seul véritable héritier de la couronne. Et cela fait de toi le plus redoutable ennemi de Pélias. Et ma mère, est-elle mon ennemie, elle aussi ? Quelque chose ? Je voudrais aller de l'autre côté de la rivière, mais elle est large et le courant est tellement fort. Je viens vous aider. C'est très gentil à vous, mon jeune ami. Où allez-vous ainsi ? À Ioclus, c'est ça. Vous le saviez ? Oh oui. Et qu'allez-vous chercher à Ioclus ? Aucune richesse, je suppose. Non. Non. Toute cette région est pauvre, saignée à blanc par son propre roi. Pélias. Pélias le voleur, comme on dit. Oh, bien sûr, quand on cherche à tout prix la toison d'or, cela engendre beaucoup de dépenses. La toison d'or ? Le cadeau que les dieux ont fait aux humains, convoité par Pélias depuis si longtemps. Il pense qu'elle exaucera tous ses souhaits. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait. Laissez-moi conduire le prochain voyage, père. Ils verront que vous faites confiance à votre fils. Malheureusement, cela ne changera pas grand-chose. Le peuple n'a pas encore compris tous les avantages que la toison pourrait lui procurer. Qu'y a-t-il ? Un présage, sire. De la plus haute importance. Un jeune homme en colère. Il y a de la vengeance dans son cœur. Il est une menace pour votre trône. Quoi ? Un autre rebelle ? Non. Qui est-ce alors ? Je ne saurais dire, votre Altesse. Dis-moi de quoi il a l'air. Je sais seulement qu'il porte une seule sandale. Et je crois qu'il est protégé par les dieux. Trouvez-le. Que vois-tu ? Il est ici, votre Altesse. À Ioclus. Attends. C'est ce jeune homme ? Je le pense, votre Altesse. Pourquoi viens-tu à Ioclus, mon garçon ? Je suis venu voir ma mère. Qui est ta mère ? Polymèle. Faites-la venir. Que vient-il faire ici ? Peux-tu nous prouver que tu n'es pas un imposteur ? Je porte l'amulette que m'a remise ma mère. Connais-tu le sort qui est réservé aux fraudeurs ? Je ne suis pas un fraudeur. Vous m'avez demandé. Ah, ma chère. Je vous ai fait venir parce que ce jeune homme prétend être votre fils. Qu'en dites-vous ? Regardez-le. À
Alors, le connaissez-vous, ma chère? Je ne le connais pas. Et cette petite chose, l'emblème de votre bien-aimé Hera? Jamais je ne l'ai vu, monseigneur. Parfait. Garde, emmenez-le. Il sera exécuté dès demain matin. Non! Oh, quelque chose vous reviendrait en mémoire. Alors, comment trouves-tu ta mère, mon garçon? Elle est telle que tu t'en souvenais? Ou est-elle plus jolie encore? En venant à Yoklus, ne savais-tu pas que tu courrais à une mort certaine? Emmenez-le! Monseigneur, je vous en supplie, épargnez-le! Donne-moi une raison de ne pas te tuer. Parce que je saurais rapporter la toison d'or. Quoi? Laissez-nous! Monseigneur! Laissez-nous, j'ai dit! Allons, dehors! Que sais-tu de la toison d'or? Je la trouverai. Je suis protégé par les dieux. Dis-moi, si tu la trouves et que tu me la rapportes, que me demanderas-tu en échange? Rien de plus que mes droits de naissance. Mon cher neveu, j'aurais bien plus que ça à t'offrir. Si tu trouves la toison et me la rapportes, je te ferai redevenir prince et je te rendrai tes droits de succession. Tu deviendras mon héritier. Père, je ne peux accepter cela. Je vais te faire donner un bateau. Il faudra que tu trouves toi-même l'équipage. Ce ne sera pas facile, mais malgré cela, tu feras tout pour atteindre ton but. Parce que si dans 6 mois tu n'es toujours pas de retour, ta mère sera alors exécutée. Oh. Cela est clair, simple, et il n'est pas question de négocier. Ta mère contre la toison d'or. Je t'ai apporté à manger. Merci. Jason. Après avoir quitté ces rivages, ne reviens pas ici. Promets-moi de ne jamais revenir. Je n'ai pas d'autre choix. Même si tu lui rapportes la toison, Pélias te fera exécuter. Cette toison est son obsession. Il pense qu'en la possédant, il pourra exaucer son souhait. Quel est ce souhait? L'immortalité. Tout ce qu'il veut, c'est échapper à la mort et pouvoir régner pour l'éternité. Seulement toi, il ne te laissera pas en vie. Vous connaissez bien votre mari. J'ai dû accepter sa façon d'être. Pour ma survie et pour la tienne aussi. Fait que cela n'ait pas été en vain. Le plus beau qu'on ait construit, et le plus rapide aussi. Il a fallu dépenser beaucoup d'argent, n'est-ce pas, Maître Argos? C'est exact, Votre Altesse, mais c'est le meilleur que j'ai jamais dessiné. Chaque assemblage atteint la perfection. Ce qu'il faut maintenant, ce sont des hommes qui puissent le mériter. Quel est son nom? Le Pélias. Cela semble naturel, quoique je doute que ce nom puisse susciter suffisamment d'enthousiasme. Votre Altesse, puis-je suggérer la Grande Flèche en hommage à sa vitesse? Et pourquoi pas l'Argos?
En hommage à ce maître charpentier. Oh, quelle idée excellente. Je ne sais quoi dire. C'est le moins qu'on puisse faire. Comme vous le savez sans doute, vous allez bientôt naviguer dessus. Moi, dites-vous? Vous, Argos. Ah, bien sûr. Noble déesse Hera, écoute ma prière. Protège mon fils Jason, quoi qu'il arrive. Conduis-le là où il sera en sécurité. Veille sur sa belle jeunesse. Zeus, mon seigneur, pourquoi avez-vous déserté ma couche? Une affaire de mortel, chère Hera. Une affaire avec les mortels semblerait plus juste. De quoi donc allez-vous vous plaindre aujourd'hui? Je sais que vous êtes allé courir après certaines femmes. Chut. Je veux qu'on m'entende. Croyez-vous réellement idiote? Vous avez humilié une déesse en fréquentant des mortels. Votre devoir en tant que reine est d'obéir. Si vous refusez, descendez et souillez la terre de votre méchanceté. Ne me tentez pas. Je cherche des hommes sachant naviguer. Mais je ne veux que les meilleurs. Je veux dire des hommes qui soient prêts à affronter tous les dangers et même prêts à risquer leur vie pour une noble quête. Pour la toison d'or. Mais qu'est-ce que tu dis? Si vous êtes choisis, je vous promets tous les honneurs et toutes les gloires. Je vais l'emmener dehors et m'occuper de lui. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir frappé? L'homme qui était derrière toi voulait te tuer. Pourquoi? Tu as parlé de la toison d'or. Il faut jamais faire ça chez les marins. Mais je dois trouver mon équipage. Je m'embarque. Je sais manier la rame. Je ne suis pas vraiment marin, mais... C'est d'accord. Mais ce sont des fermiers, des paysans, ils ne seront d'aucune utilité. Attends. Tiens ça. Qui est cet homme? Lui? C'est Laertes, un berger. Qu'en dis-tu? Je sais que tu cherches des hommes, mais... Je vois que tu aimes le danger. Regarde ça! J'ai dit casse là sur le côté, pas ici. Je l'ai cassé au milieu? Mais j'ai dit sur le côté. Où ça? Ici. Ils ont l'air de bien s'entendre. Tu as déjà navigué? Non. Et toi? J'ai quoi? Navigué. Quand? Navigué. Comment? Sur un bateau. Oh. Non, jamais.
Un ivrogne, un berger, deux casseurs de pierres qui n'ont jamais hissé le voile, qui ignorent les nœuds marins et ne savent pas ramer. Ils ont du cœur. Il doit y en avoir beaucoup d'autres. J'espère que non. C'est extrêmement dangereux. Pour affronter la mer, il faut du courage et de l'expérience. Sinon, c'est la mort. Je ne naviguerai pas avec ces hommes. Vous devez obéir à Pélias, ou vous serez exécuté. Dans ce cas, la mort sera plus rapide. Ça va, reposez-vous. Bonsoir, jeune homme. Comment vont vos jambes si fortes et si jeunes? Vous ne vous souvenez pas de moi? Vous m'avez fait traverser la rivière. Je vous reconnais. Je vous avais dit que votre gentillesse serait récompensée. Allez chez Idas, l'homme qui fait les cartes. Il vous indiquera la route qui mène à la toison. Merci. Mais que représente-t-il donc à vos yeux? C'est un jouet. Vous jouez avec ce jeune homme pour punir Pélias? Pourquoi? Parce que vous êtes jalouse. Parce que lui, il vénère Poséidon et qu'il vous délaisse. C'est cela que vous croyez, mon cher Zeus? Que mon affection est provoquée par la jalousie? Et non par sa grâce et sa merveilleuse jeunesse, et non par ses cuisses qui sont puissantes et douces comme des branches d'olive. Arrêtez, ça suffit! Et non par ses lèvres qui sont tout à la fois très appétissantes et... Écoute bien. Pauvre petit insolent, au visage d'ange. Quelles que soient les épreuves que tu affronteras, je te promets qu'elles seront encore mille fois plus terribles pour toi! Non, ne vous arrêtez pas. Je vous en prie, continuez. Il y a un prix pour cela. Une place sur votre bateau. Que savez-vous de la mer? Rien du tout. Si vous affrontez la mer sans aucune connaissance, c'est la mort qui vous attend. Je pense connaître bien la mort. Le danger ne m'effraie pas et je peux vous apporter la musique. La musique qui calme les bêtes sauvages, transporte le cœur des hommes et fait chanter l'alouette alors qu'il fait nuit. Quel est votre nom? Orphée. Que puis-je faire pour toi? Il y a une carte que j'aimerais avoir. J'ai fait beaucoup de cartes. Celle que je cherche pourrait me conduire jusqu'à la Toison d'Or. Si une telle carte pouvait exister, son prix serait extrêmement élevé. Tout ce que je possède. Reprends-la. Elle te sera beaucoup plus utile qu'à moi. Allez, viens. Sais-tu des étoiles? Je ne sais que deux, trois choses, tout au plus. Jamais je n'ai encore vu de cartes comme celle-ci. Il n'en existe pas d'autres. Si tu sais la lire, elle te conduira jusqu'au bout du monde. Là, je vois le Sagittaire.
Puis le signe. Et le dauphin, c'est une carte céleste. Une carte des étoiles. Il n'y a pas d'autre moyen pour atteindre la toison. Elle se trouve sur une mer inconnue. Mais cette carte te conduira sur une île complètement isolée. Là, tu verras le prophète Phinéas. On dit qu'il connaît le secret de la toison. Réaliser une telle carte me semble vraiment impossible. Je n'ai réussi à la faire que grâce à mon fils et apprenti Zétès. Les dieux lui ont donné la possibilité de voir 10 fois mieux que l'aigle. Et grâce à cela, tu peux voir jusqu'au bout du monde. Seulement dans les étoiles. Et jusqu'aux confins des constellations. Je serai heureux de pouvoir te compter dans mon équipage. Je n'en doute pas. Mais Zétès a beaucoup de travail ici. Il est déjà bien en retard. Puissent les dieux te montrer le chemin. Merci pour ce cadeau. Allez, va le chercher, tu me le ramènes. C'est ça que vous cherchez, jeune homme. Que les dieux vous bénissent. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Une carte extrêmement précieuse. Mais où vous conduit-elle? À l'île de Phinéas, et ensuite jusqu'à la Toison d'Or. Alors c'est vous, le jeune capitaine? Les gens disent que vous êtes fou. C'est pour cacher leur peur et leur lâcheté. Vous partagez leur opinion? Vous semblez ignorer à qui vous parlez. Venez avec moi. Allez me chercher d'autres hommes pour le mettre à la mer. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Hercule. Ce bateau-là va vous mener jusqu'à la Toison d'Or. Et moi, je m'embarque dans l'aventure. Et vous, vous êtes des héros ou des lâches? Je vais avec toi. Et moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. Vous vous souvenez de moi? Ce n'est qu'un sale petit voleur. Non, tout ça c'est fini maintenant. Depuis quand? Les seigneurs. C'est fini depuis ce matin. Oh, tenez, d'ailleurs, je vous rends ça. Mon amulette? C'est un geste de bonne volonté de ma part, capitaine. Je voudrais vraiment partir avec vous. Pourquoi? Pour savoir ce que je vaux réellement. Et pour m'amender. Je vous en prie, donnez-moi une chance. C'est ça. Et du coup, tu vas voler tout ce que tu pourras trouver. Et alors? Quoi de mieux qu'un sale voleur pour trouver la toison? Un peu de vin, Mopsis, pour fêter ce voyage.
Non, merci. J'ai fait le vœu de ne plus jamais boire. Qu'est-ce que tu penses de notre jeune capitaine? Il sait parler. On verra s'il sait naviguer. Mon dernier travail a vraiment été le plus difficile. Je devais rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides. Et Atlas, mon ami, est-elle le seul titan assez grand pour les attraper? Alors, j'ai chargé le poids du monde sur mes épaules et les accueillis. Jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce que ton père a dit? Je ne lui en ai pas parlé. Un musicien? Eh oui. Tiens alors, prends ça, musicien. Mettez les rames à l'eau. Allez-y. Jason! Qu'est-ce que tu fais ici? Je pars avec vous. C'est hors de question. Tu crois ça? Oh non, pas une femme. Et puis je lui ai dit, je vais chercher la toison d'or. Regardez comme il rame. Regardez-les bien. Je leur donne 10 jours. Ramez en cadence, Zetès. Suis le rythme. Regarde l'homme qui est devant toi. Hé ! Attends. Sors de là, sale petit vaurien. Il faut les triper. Qu'est-ce que ce sale môme vient faire à bord? On devrait le balancer à la mer. Pourquoi? C'est le fils du roi, et on l'aime pas. T'es sûr? Ben évidemment. On devrait l'attacher au mât et laisser les mouettes lui bouffer les yeux. Ekion, pose ce poignard. Pose ce poignard, Ekion! Fais ce qu'il te dit. Il n'y aura pas de sang versé à bord. Méfie-toi, mon garçon, il est tout aussi fourbe qu'un serpent. C'est mon frère. C'est terminé, tout le monde au travail! Ne leur en veux pas s'ils me détestent. C'est à cause de mon père et de sa réputation. C'est une malédiction pour moi. Je serais heureux d'échapper à cela. Si je fais ce voyage avec vous, je pourrais peut-être y échapper. Ah oui, et comment? Une fois qu'on aura la toison, on pourra débarrasser Ioclus de ce tyran, de ce monstre. Si toi, tu as la toison, tu pourras le détruire. Si j'ai la toison, je suis obligé de la remettre à ton père. Notre mère sera tuée si on fait comme tu le dis. C'est pour ça que je suis ici, pour sauver notre mère. C'est à cause de cet ignoble marchandage que j'ai su qui était mon père en réalité. Un bateau. Seul au milieu de la mer. Et alors? Qu'est-ce que cela veut dire? Où se trouve-t-il, ce bateau? Loin, très loin. Sur une mer que nous ne connaissons guère. Là où personne n'est jamais allé. Pourquoi souris-tu? Est-ce un bon présage? Ou est-ce un mauvais présage? Ce jeune garçon, il a un merveilleux visage. Bon alors, c'est bientôt frais? On a faim, nous? Mais tu fais quoi, là? Bon alors, vas-y, mets-en encore, mais pas trop, vas-y. Pas trop, pas en mettre trop, faut pas en mettre trop. Alors,
sinon ça va nous exploser la gorge. Et comme ça c'est brassé, bon, comme ça je te dis, ça c'est fini. Non. Là. Non mais enfin. Alors, tu te lances en l'air et tu penses bien à ce que tu fais. Tes jambes sont des ressorts et tes bras volent. Les yeux du taureau sont là, au-dessus. Aucune carte n'indique où nous sommes. N'êtes-vous pas émerveillés, vous aussi? Si, je le suis. Quelque chose? Non, rien. C'est comme si les dieux avaient disposé un voile devant nos yeux. Argos, sommes-nous sur la bonne route? On y est, enfin apparemment. Malheureusement, le soleil n'est pas là pour nous guider. Un rocher! La barre à bâbord! La barre à bâbord! Terre! Terre! Écion, venez avec moi. Les autres restent ici. Il ne devrait pas y avoir d'île ici. Accroche-toi, Écion!
Tio, accroche-toi. Jason! Continue à ramer. Où est Jason? Donne-moi la main. Arrêtez! Il faut qu'on trouve Jason! J'ai dit, cela suffit. Mon frère Poséidon. Toutes mes excuses. Qui on s'est noyé. Et on ne sait pas où est Hercule. Oh. Hercule! Hercule! Qu'avez-vous fait à ce jeune homme? Cher ami, vous vous déshonorez. Il est fait pour une fille de ferme. Croyez-vous qu'il vous honorerait? Vos jugements sont toujours basés sur vos principes. Regardez. Le mât est cassé. Des planches du pont avant ont été brisées par la vague. La cale va bientôt prendre l'eau. Et c'est pas tout. La voile est à moitié déchirée. Jason, là, la carte n'est plus à bord. C'est mauvais.
C'est très mauvais. Tout est disloqué. Nous trouverons du bois. On va le réparer. Nous n'avons pas d'outils. Et si on allait à la chasse? Rien de tel qu'un bon petit gibier pour se remonter le moral. Oui, c'est une bonne idée. Là, attention! Regardez! Des soldats. Des soldats! Prenez vos armes! Dépêchez-vous! Prenez vos armes! Attendez! Zetès. Rien que des femmes? Rien que des femmes. Bienvenue à Lemnos. Majesté, le prince Jason. Notre reine, Hypsipyle. Bienvenue. J'ai entendu dire que vous aviez besoin de certains matériaux. Oui, il nous faudrait deux ou trois choses. Un peu de bois et du tissu pour les voiles. Ne vous faites pas de soucis. Nous saurons vous trouver tout cela. Je vous remercie, Majesté. C'est ainsi que les jardins doivent être entretenus. Il faut savoir leur laisser un certain état sauvage. Ils n'en sont que plus fertiles. On peut alors sentir la force de leur création. Buvons notre vin, venant de mes propres vignes. Il est jeune et il est fort. On y sent toute l'énergie de la terre. On sent toute sa richesse. Merci, ma belle. Merci beaucoup. Pour mon quatrième travail, je devais tuer le sanglier d'Eri Monkey. Vous imaginez un sanglier énorme, tout poilu et plein de haine. En effet, ça doit être vraiment très effrayant. Lui, c'est Pollux. Lui, c'est Castor. On est des hommes simples. Lui, il casse les pierres et moi, je suis maçon. Quoi? T'es maçon? N'écoutez pas cet homme, il dit n'importe quoi. Où sont allés tous vos hommes? À la guerre. Ah oui? Et contre qui? Ça fait si longtemps que j'ai tout oublié. Acceptez ceci. Où est Jason? Pourquoi n'es-tu pas avec les autres? Tous ces hommes qui semblent avoir perdu la tête. Sauve-toi. J'ai un avantage sur eux. Moi, je suis toujours ailleurs. Pourquoi? J'ai été amoureux d'une femme. Son nom était Eurydice. Son rire était encore plus doux que la pluie. Ses yeux brillaient de mille feux, comme le soleil. Et je l'ai perdue. Elle est morte. L'univers tout entier s'est alors effondré autour de moi. Si la toison peut réellement apporter tout ce que l'on désire, elle m'offrira peut-être une seconde chance. Mais le fait d'aimer ce qui ne pourra jamais être à vous est une profonde blessure que seule la mort peut soigner.
y est, j'ai fini, Argos. Joli travail. Joli travail. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Qu'est-ce que ça dit? Que ton destin est de devenir roi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Il semblerait que ce garçon vous ait oublié. Oh, grande déesse, tant adorée! Écoute-nous et accepte ce nouveau sacrifice. Ce nouveau sacrifice d'homme. Nous célébrons la fête. Nous célébrons la réjouissance, car je viens de décider que chaque homme de l'Argos prendrait une femme parmi mon peuple. Je vous ferai prince de cette terre. Et votre capitaine en sera le roi. Rendons-nous au temple dès ce soir et célébrons la promesse de l'éternel bonheur. Jason. Jason. C'est un piège, elles vont vous tuer. Je me suis rendue dans leur temple. Je sais ce qu'elles préparent. Vous allez tous vous faire massacrer. Vous êtes tous fous. Vous ne voyez rien? Leurs hommes ne sont pas en guerre. Elles les ont tués. Regardez, voici leurs armures. C'est absurde. Pourquoi dis-tu des choses aussi ridicules? Elle est amoureuse. Elle est amoureuse de toi et veut te garder pour elle seule. Ne la laissons pas corrompre notre amour. Emmenez-la. Jason! Non, attendez. Attendez. Ceci n'est pas le but de notre voyage. Et que crois-tu chercher que tu ne puisses trouver ici? Je t'ai promis le bonheur éternel. Je pense que nous devrions repartir sur le bateau. Oh. Tu entends cela? Oh non. Non.
Quels sont les ordres ? À toi de décider. Je ne suis pas le capitaine. Le bateau ne tiendra pas longtemps. Nous sommes perdus. Plus de nourriture. Plus d'eau. Je ne sais quelle est la solution. Il y a ici 24 hommes qui ont confiance en toi. Ils te feront à nouveau confiance si tu montres un peu de courage. Alors abandonne tes propres questions. N'oublie pas que tu es fils de roi. Cesse de réfléchir et fais ton devoir. Hera. Je t'en conjure. Par pitié, fais-moi un signe. Je t'écouterai. Un désir profond l'anime au fond de son cœur. Comme une femme, général. Où est votre soif de combat? Peut-être devrions-nous vous relever de vos fonctions. Père! Je dois vous parler, c'est très urgent. Cela concerne notre sécurité. Plus tard. Cela concerne la toison. Se trouve ce jeune prince au ravissant visage. Il se trouve où jamais personne n'est allé. Dirige-toi vers l'ouest, vers la mer inconnue. Je le trouverai pour vous, père. Et je le détruirai. Des saletés d'oignons, des petits oignons frits. Ne vous arrêtez pas de ramer. Si vous arrêtez, vous mourrez. Ça ne me gêne pas de ramer. Seulement, je voudrais savoir où on va. Nous avons tous fait un choix. Nous ne sommes pas prisonniers. Même les prisonniers peuvent manger. Je vous demande pardon, capitaine. Je voudrais savoir où nous sommes. Nous sommes à l'est de Lemnos. Ah oui, mais où ça se trouve, ça? Nous
cherchons une île, celle du prophète Phinéas. Oui, je suis vraiment désolé d'insister. Mais comment on va trouver cette île? Auriez-vous oublié qu'on n'a plus de cartes? Je te rappelle que tu dois ramer, pas poser de questions. Ça ne me gêne pas de ramer. Je veux savoir où on va. Capitaine, vous savez où nous allons? Ça n'a pas de sens. On devrait faire demi-tour. Oui, avant qu'on soit tous morts de faim. Zétès. Oui. Il faut regarder les étoiles. La carte, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. L'île était située juste à la verticale de cet endroit où le chien était assis à gauche de l'archer. Montre-moi les étoiles et nous serons sur place à la tombée de la nuit. Si ce n'est pas ça, nous ferons demi-tour. Mais Jason, il fait encore grand jour. Comment verrai-je les étoiles? J'ai confiance en toi, Zétès. Ça y est! Ça y est, oui, je les vois! Je vous le jure! Dessine-les-moi! Dessine ce que tu vois! C'est par là. Argonautes, reprenez courage. Par là, nous trouverons la Terre, j'en suis absolument certain. À vos rames! Au travail! Terre! Je vois la Terre! Ouais! Une île toute ronde et toute plate! Comme sur la carte. Bien joué, jeune maître. Il faut qu'on se sépare. Nous allons dans cette direction. On cherche de la nourriture dans un prophète? Ouais. La nourriture dans le temple. Les démons sont arrivés. Attendez, un seul à la fois. Fanus. Il y a un temple là-bas, avec plein de nourriture. Mais il y a d'horribles créatures. Elles ont tué et buté cet fils. Il faut pas rester ici. Non, nous devons d'abord trouver Phinéas. C'est fait. Vous l'avez déjà trouvé. Jason de Ioclus. Je suis Phinéas. Comment connaissez-vous mon nom? Je suis devin. C'est un don très précieux.
Je sais ce que vous cherchez, jeune prince. Et vous pouvez nous aider? Cela fait 40 ans que je suis sur cette île. J'ai été exilé par les dieux. Comme ils étaient jaloux de mon don, ils m'ont crevé les yeux. Puis ils m'ont abandonné ici, afin d'être tourmenté par la faim et par les harpies. Les harpies. Les monstres, ils font partie de mes tourments, comme la faim qui est permanente et atroce. Sur une table est disposée chaque jour une nourriture abondante. Mais si vous y touchez, vous êtes tué. Savez-vous où se trouve la toison d'or? Oui. Je vais vous indiquer la bonne direction. Seulement, en échange, je vous demanderai un petit service. C'est le royaume d'Aertes. Que savez-vous de cet homme? Ah, c'est un tyran sanguinaire qui garde jalousement la toison. Et sa fille, Médée, est une cruelle sorcière qui le protège grâce à ses pouvoirs. C'est elle qui garde la toison. Comment trouverons-nous Colchis? Jeune prince, il faut entrer dans l'océan qui conduit à l'est. Mais il n'y a qu'un seul moyen. C'est de traverser les roches noires, là où bien d'autres avant toi ont connu une fin tragique.
Là-bas, regardez, des hommes à la mer! Leur bateau a coulé. Tout l'équipage s'est noyé. Et je vois des corps disloqués, broyés. Ton frère est mort. Non. Il vit. Il est sauvé. Il est sauvé par le jeune homme qui est aimé des dieux. Celui qui cherche la toison. Les rochers. Les rochers ont brisé mon bateau. On a essayé de passer. Ça s'est refermé. Ça a broyé tout le bateau. Je me trouvais sur la proue. Je ne m'y attendais pas. On ne m'avait pas prévenu. Comment on l'aurait su? Je suis Jason. Prince de Ioclus. Aspirtes de Colchis. Colchis. C'est là que nous allons. C'est vrai. Dans ce cas, je dois pouvoir vous aider. Mon père est le souverain de Colchis. Il sera heureux de vous accueillir. Mais avant tout, nous devons trouver le chemin qui nous permettra de sortir d'ici. Vous en connaissez un ? Non. Moi, tout ce que je sais, c'est que la mort nous attend si nous traversons ces rochers. Orphée. Il me faut ta colombe. Pourquoi ? Prends ton envol, ma jeune amie. Puissent les dieux te guider. Ténèbres, votre Altesse. Je ne vois plus rien. Et où est le bateau ? Il n'y a plus rien. Le bateau est détruit. Je ne vois que des corps disloqués. Écrasés. Il n'y a plus de bateau.
détruit. Vous en doutiez ? Dieu de l'amour, je te charge d'un nouveau travail. Trouve la princesse Médée. Décoche-lui une flèche et fais en sorte qu'elle donne son cœur à Jason, prince de Yoclus. À Jason ? Mais madame... Telle est ma volonté. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'Eros faisait ici ? Garde, arrêtez-vous ! Prenez position ! En position ! Attendez les ordres ! Ces hommes sont armés et prêts à livrer bataille. Non, c'est la garde d'honneur. Ils viennent nous accueillir. Amenez les robes ! Jason, cet homme ne m'inspire pas confiance. Pourquoi ? Sa langue est trop mielleuse. Je descends à terre. Je veux deux hommes avec moi. Je viens avec toi. Non, Hercule. Non, je préfère que tu veilles sur le bateau. Ma place est à tes côtés. Tu seras bien plus utile ici. Si les choses tournent mal, tu es mon seul espoir. Moi, je vais avec toi, afin de te protéger. Et moi, je me joins à vous. Je vais à terre avec notre autre, le prince Aspirtès. Hercule, tu es mon lieutenant. Les autres suivront tes ordres. Yeah. Yeah. Garde, en avant. Garde, avancez. Dépêchez-vous.
Apparemment, tu as sauvé la vie de mon fils. Il est dans nos traditions de remercier un prince comme il se doit. Cela dit, je ne vois aucun cadeau qui puisse égaler ton geste. Votre Altesse, vous avez dans votre royaume un trésor que je serais heureux de posséder. Quel trésor peut égaler la vie d'un fils ? La toison d'or. Oh ! À genoux ! Votre Altesse, nous sommes venus en paix. Non, tu es venu pour me voler et tu vas le payer. Père, n'oubliez pas que vous avez une dette envers lui. Le tuer ne ferait que provoquer la colère des dieux. Laissez-les décider de son destin. Proposez-lui une épreuve qu'aucun mortel ne peut surmonter. Oui, ma fille. Il devra affronter le taureau des reins. Tu devras maîtriser le taureau des reins. Tu laboureras les champs d'Arès et ensemenceras des dents de dragon. Si tu survis, je demanderai aux dieux d'être clément. Et tu auras la toison d'or. Tu ne dors pas? Non. Et non. Et moi non plus, figure-toi. Je pense à plein de choses. Vraiment? Oui, c'est terrible. Il faut être vaurien pour connaître les vauriens. Moi, je suis vraiment un vaurien, tu sais. Et j'ai toujours vécu avec les vauriens. Mais tu n'arrêtes jamais de parler. Tiens, regarde. Je t'ai trouvé des plumes. C'est gentil. C'est pour tes flèches. Je me suis dit qu'elles pourraient être utiles. Mais tu ne les voyais pas, hein? Ils ne t'ont pas été révélés. Comment as-tu fait pour ne pas voir ces rochers? Crois-tu que si je les avais réellement vus, je ne te l'aurais pas fait savoir? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais je suis sûr que tu les as vus. Tu as vu ces rochers m'aider. Tu les as vus. Et c'est Père qui t'a empêché de me prévenir, c'est ça? Non. Tout cela est faux. Voilà qui ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que cette affaire ait été réglée d'avance. Un complot. De façon à se débarrasser de moi. Tiens, mange cette feuille. Cela te calmera. Donne-moi une autre. Non, ce serait beaucoup trop. Cette herbe a un excellent effet. Mais il faut savoir l'utiliser. Je vous ai apporté une huile qui vous protégera du taureau des reins. Il crache des flammes. Pourquoi voulez-vous me sauver? Veuillez vous dévêtir de votre tunique. Cette huile devra recouvrir chaque partie du corps. Faites vite. J'aime son odeur. Elle provient d'un crocus du Caucase. Une plante aux couleurs de safran.
La première fleur ayant poussé dans le sang versé par ce pauvre Prométhée. Oh!
Je vais descendre à terre. Je viens avec toi. Non. Les ordres sont très clairs. On ne bouge pas d'ici. Laertes, j'ai surmonté les épreuves. Tiendrez-vous parole? Jason, il faut récolter ce que l'on a semé. Jason, tu viens de remporter des épreuves dont personne n'était sorti vainqueur. Je te félicite. Nous allons célébrer cela. Tu es un héros. Tu as la protection des dieux. Tu es courageux, plus qu'on ne peut l'imaginer. Bienvenue, ô grand prince. Tu auras ce que tu désirais. C'est salé. Pas de sel, des oignons. Et des oignons frais. Et puis de l'estragon. Et puis aussi de la sauce au miel. Qu'en dis-tu, elle est jolie? C'est exact, Votre Altesse. Un trophée rapporté d'une de nos campagnes. Mais il n'en existe pas de plus précieux que la toison. J'étais plus jeune que toi quand j'ai conduit mon armée pour la conquérir. Dès que je l'ai eue en ma possession, j'ai compris son pouvoir. La toison apporte la loyauté en ce royaume.
Quand je demande à des mères de donner la vie de leur fils, elles me l'accordent parce que j'ai la toison. Quand je demande à des généraux de se battre jusqu'à la mort, ils le font parce que j'ai la toison. Mes ennemis n'osent plus s'attaquer à moi. Elle m'a apporté tout ce que je désirais. Ma fille est extrêmement belle, qu'en dis-tu, Jason ? C'est exact, Votre Altesse. Je te donnerai la toison. Et tu pourras la voir, elle aussi, si tu le veux. Votre Altesse, je ne voudrais pas que vous vous imaginiez... M'aider, si ce jeune homme te demandait ta main, la lui accorderais-tu ? Votre Altesse... Oh, ma chère fille, crois-tu que je n'ai pas vu la lueur qui brille dans tes yeux ? Je la lui accorderai. Très bien. Voilà qui est réglé. Nobles gens de Colchis, nous allons bientôt célébrer l'union entre le royaume de Yoclus et le royaume de Colchis. Jason, notre courageux prince, va épouser Médée, notre princesse royale. Mais, Votre Altesse... Non, ne me remercie pas. Je suppose que tu auras compris que ni vous ni la toison ne devront quitter Colchis. Vous serez très heureux ici. Es-tu heureuse ? Heureuse de quoi ? De ton futur mari ? Aspirtes. Oui. C'est bien ça, j'avais raison. Père et toi, vous aviez passé un accord. Non. J'aime réellement Jason. Oui, bien sûr, tout est si clair maintenant. Tout est si clair. Comment peux-tu l'aimer ? Tu ne connais pas ce jeune homme. Et lui ne te connaît pas non plus. Mais moi, je sais qui tu es. Je ne voudrais surtout pas te rendre malheureux. Mais c'est ce que tu fais. Il veut épouser la princesse Médée. Il veut épouser la princesse Médée. Non. Jason ne restera pas ici. Il ne nous laissera pas partir sans lui. Jamais il ne nous abandonnera. Peut-être que notre voyage est fini, et que c'est là que nous devons nous séparer. C'est ce que tu penses, toi. Tu crois que Jason va se donner au royaume de Colchis et à cette princesse ? Ah, elle est vraiment très belle. Oui, en fait, elle est vraiment très belle. Vous êtes fou. Qu'avez-vous fait de votre confiance ? Je n'arrive pas à imaginer que Jason puisse nous quitter. Qu'il termine ici son voyage. Tout ce que ça peut représenter pour lui. Ce que ça représente pour nous. Et qu'il laisse sa Talente. Il faut le délivrer. Le délivrer de quoi ? De la richesse ? Du pouvoir ? De la femme qu'il aime ? Il ne l'aime pas. Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est... Si ça fait vraiment partie de ses souhaits, il faut absolument les respecter. Et nous en aller. Je suis d'accord. Vous voulez repartir ? Nous avons voyagé loin, jusqu'aux confins de la Terre. Que peux-tu demander de plus ? Nous avons été choisis pour faire ce voyage. Notre mission n'est pas finie. Mais notre mission était de suivre Jason. Et il veut que nous partions. Alors, en route. Non, Hercule. Dis-leur de rester. Hors de question.
Ce n'est pas à moi de prendre une décision, mais à chacun de nous, selon sa conscience. Sa conscience, ce mot signifie encore quelque chose pour vous? Je propose que nous votions. J'ai fait une potion qui soignera vos blessures. Pourquoi me venir en aide? Vous qui gardez la toison. La toison n'accordera son réel pouvoir qu'à celui qui saura la mériter. Et c'est pour cet homme-là que je garde les secrets. Que je mérite ou non son pouvoir, je dois la trouver. La vie de ma mère en dépend. Vous devez savoir que je fais partie de votre vie à présent. Oui, votre... Vous les avez vus? Oui, je les ai vus ce matin et ils voulaient repartir. Je suis heureux de cette décision. Oui. Très heureux. C'est une très bonne... Perfidie! Traîtrise! La traîtrise de votre bien-aimé. De votre fille adorée. Et de la future maîtresse de ce royaume. Quelle est la raison de tant de bruit, Aspirtes? La toison d'or. Votre fille et Jason. Ils veulent vous la dérober, cette nuit. Dis-moi tout ce que tu sais. La princesse Médée et le seigneur Jason. Je les ai entendus parler. Elle va le conduire jusqu'à la toison. Jason la volera et ensuite l'emportera sur son bateau. J'ai tout entendu. J'ai entendu tout ce qu'il disait en faisant l'amour et je sais maintenant tout ce qu'il complote. Tu as bu, mon garçon. Tu ne devrais pas agir ainsi, tu parles comme un fou. Non, père, ce soir. C'est vous qui allez devenir faux. Est-ce que Jason sait marcher sur l'eau? Regarde. Il est resté, les autres sont partis. Et à présent, tu vas me laisser. Je dois m'entretenir avec des gens plus sensés que toi. C'est bon. Nous repartons. Avancez! Restez groupés! Vous êtes venu dire adieu à vos camarades. Et maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Vous allez pouvoir diriger à ma place, c'est ça que vous vous dites? Ça n'a jamais été mon souhait, ni mon intention. Peut-être pas la vôtre, mais celle de mon père.
Tuez-le. Argos se trouve au nord de l'île. Dépêchez-vous, d'autres gardes vont sûrement arriver. Mon travail consistait à mettre hors d'état de nuire ces maudits oiseaux mangeurs d'hommes. Des bêtes absolument atroces. Elles étouffaient les hommes avec leurs ailes ou les empoisonnaient avec leur saleté d'excréments. Mais comme toujours, j'ai réussi ma mission. Nous devons descendre. Non, ça prendrait trop de temps. Les archers nous tueraient comme des poulets. La cavalerie, là-bas, à flanc de montagne. Alors nous allons nous battre. Oui, nous allons nous battre jusqu'à la mort. Ce ne sera pas la peine. Hercule. Jason. Je vais les retenir pendant que vous vous échapperez. Filez vers l'Argos. Il est à l'embouchure de la rivière. Oui, je le vois. Je vais installer la corde. Où est la toison ? De l'autre côté des gorges, sur un haut plateau. Ne perdez pas de temps. Même avec la corde, il faut une journée pour passer de l'autre côté. Toi, commence à descendre. Attendez, j'ai une idée. Comment te débrouilles-tu au lancer de disques, Hercule ? Laerte, montre-leur comment on fait. Thank you.
sans Jason. Pas sans toi. Je vous rejoindrai. Viens. À toi de passer. Non, ce n'est pas mon destin. Tu ne pourras pas retenir toute une armée. Jason, mon voyage est terminé. J'ai fait ce que m'a demandé ma mère. Ta mère? Je suis Hercule, serviteur de Hera, et elle m'a demandé de te protéger. Sauve-toi, Jason. Va, mon ami. Va à la rencontre de ton destin. Acastus est blessé. Ça va aller, Jason. Laisse-moi juste un instant. Non. Emmenez-le le long des gorges jusqu'au bateau. Ça va aller. Donne-moi la corde, vite! Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais la passer autour de son cou, Orphée. Je veux que tu joues comme tu ne l'as jamais fait de ta vie. Fais attention à toi, Jason! Thank you.
Jason, viens! Il va très mal. C'est bon, on y va. À vos postes, larguez les amarres. Il faut retirer cette flèche. L'un d'entre vous peut-il faire ça? Moi, je vais la retirer. Prenez la flèche dans votre main, puis tirez fermement. Elle est à côté de son cœur. Vous voyez, vous avez réussi. Vous savez maintenant à quoi peuvent servir vos mains. Oui. Ne vous ai-je pas conduit à des centaines de victoires? Oui, quand nous avions la toison. Ayez confiance en votre roi. Tu ne joues plus de la même façon. Tu as une bonne oreille. Les dieux se comportent curieusement. Ils font tout pour sauver la vie de ceux qui sont assoiffés de pouvoir et détruisent ceux qui nous apportent la joie et le bonheur. Jason. Oui. Ça fait longtemps que nous sommes amis, toi et moi. Oui, même très bons amis. Il y a une chose que je voudrais te dire. Je t'écoute. Jason, je te connais bien et... Et je t'aime. Plus que tout au monde. Moi aussi, je t'aime. Tu en es sûr? Bien sûr. Alors, j'ignorais que tu ressentais la même chose. Pourquoi croyais-tu qu'il en soit autrement? Je croyais que Médée et toi, vous... Médée et moi allons nous marier. Mais dans mon cœur, tu seras toujours comme une sœur pour moi. Ah oui. Oui, bien sûr. Tiens, prends ça.
tu aimes cette femme. C'est ce qui doit arriver. Argos. Que se passe-t-il? Mon père s'est fait assassiner. Comment le savez-vous? Je suis désolé. Moi aussi, j'ai vu mon père se faire tuer. C'est l'un des souvenirs les plus anciens de ma mémoire et c'est pourtant le plus présent. Il brûle toujours au fond de mon âme. Je ne veux pas que vous vous sentiez seul. Quel bel amour. Pur. Intouchable. Ce qui devait arriver. Ne vous moquez pas de moi, vous passez votre temps à jouer avec eux sans craindre l'humiliation. C'est vous qui osez parler d'humiliation. Regardez bien attentivement. Noble Zeus, je suis amoureuse d'un autre. Jason. Non, c'est hors de question. Non seulement mon corps, mais mon âme appartient à l'homme que j'aime. Aucune force ne peut m'arracher à lui. Vous osez vous refuser à moi? Pour ce petit garçon?
Vous vous sentez bien? C'est étrange. Pourquoi souriez-vous ainsi? Parce que je suis heureux. Quoi qu'il puisse arriver, ayez confiance en notre amour, mon prince. Nous sommes humiliés. Terre, là, droit devant! Sois la bienvenue à Ioclus. Oh, mon fils. Ah, mon père. Idas, content de vous revoir. Oh, c'est un véritable miracle. On croyait que vous étiez tous morts. Idas, écoutez-moi. Surtout, ne parlez pas de notre retour. Ma mère risquerait de se faire tuer. Ta mère? Par tous les dieux, tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Alors il faut que je te dise. Ta mère n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que vous dites? Elle est morte. De quelle façon? Elle s'est tuée. On lui avait dit que tu étais mort. Toi, ainsi que ton frère. Si nous craignons un mauvais coup de Pélias, nous n'avons qu'à nous approcher du palais pendant la nuit. Et encore perdre d'autres vies dans cette vaine entreprise. Alors, qu'as-tu l'intention de faire? Mon intention, mon frère, est juste de boire. Boire à la mémoire de ceux qui devraient partager ce vin avec nous. À Echion. À Laerte, le merveilleux acrobate. À Tiphys. À Butès. À Phanus. Et aussi à Hercule. Le tout-puissant, le magnifique. Mais ces hommes ne seront pas morts en vain si tu vas au-devant de ton destin. Tu es toujours le roi légitime de Ioclus. Tu peux toujours délivrer ce royaume de la tyrannie.
et venger la mort de ton père ainsi que celle de ta mère. Pour arriver à quoi? Dès les premières lueurs du jour, nous partirons. Je t'en prie, Jason. Ça suffit. Jason? Si nous fuyons ce que réclame la vie, nous n'honorons pas les morts. Nous les bafouons. Laisse-moi, je t'en prie. Allez, viens, Zetès. Nous devons partir. Viens. Père, je suis désolé. De quoi? Je ne quitterai pas mes amis. Regarde les étoiles. Elles te serviront de guide. Qu'essaies-tu de me montrer, Hercule, mon ami? Du vin, pour mon ami Mopsus. Ah non. Tu sais bien que je ne bois pas. La mort de ta mère m'affecte beaucoup. Je l'ai connue il y a longtemps. Très bien connue. C'est vrai? J'ai été ébloui par sa beauté. Et très touché par sa gentillesse. Pourquoi pas? Juste une gorgée. Si tu ne bois pas ce soir, quand boiras-tu? Encore une autre. On en a besoin. Hera, pourquoi ne l'as-tu pas protégée? Jason. Jason, mon cher fils. Je te parle grâce à cette statue qui, par la grâce des dieux, me permet d'intervenir depuis l'autre monde. Ton voyage n'est pas encore fini, il ne fait que commencer. Ce chemin est le chemin que tu as décidé de choisir. Va en paix, mon fils chéri, avec l'amour de ta mère.
Va à la rencontre de ton destin. Seigneur, votre fils est de retour. Laissez-moi passer. Bienvenue, mon fils. Je ne m'attendais pas à ton retour. J'ai voyagé aux côtés de Jason et rapporté la toison d'or. C'est ce que je vois. Son pouvoir m'appartient. Maintenant, je suis le roi. Oui, bien sûr. De toute façon, comment pourrais-je résister au pouvoir de la toison? Oh. Ah, Acastus. Je suis à présent un vieil homme usé et fatigué. Plus fatigué que tu ne pourrais le croire. Mais toi, tu as prouvé que tu étais devenu un homme. Je dois même avouer que je ne m'attendais pas à tant de courage. Approche. Laisse-moi te donner ma bénédiction. Viens. Viens, mon fils. Mon cher fils. Mon fils. Mon fils. Va-t'en rejoindre les dieux. Mon fils. Adoré. Mon très cher fils. Rentrez au palais, Votre Altesse. Le peuple est en colère. Trouvez mon neveu Jason, ainsi que tout son équipage, et tuez-les sans pitié. À vos ordres. Jason! Où étais-tu passé? La toison a disparu. Acastus est parti, ainsi que Médée. Je suis désolé, Jason. Désolé. Tout est ma faute. Où est Médée? Sûrement avec ton frère. Peut-être sont-ils complices. Ton frère nous a trahis. J'en suis certain. Et Médée était avec lui? Ça ne serait pas étonnant. Cette sorcière a guéri sa blessure, tu l'as vu comme cette moi. Cette femme n'est pas une sorcière. Elle l'a guérie par pitié. En attendant, Pélias s'est emparé de la toison d'or. Et il est au courant de notre retour. Quels sont tes ordres?
L'Argos est prêt à appareiller. Plus tôt on sera parti, mieux ce sera. Je vois les soldats de Pélias! Je ne blâmerai jamais ceux qui auront décidé de partir. J'ai beaucoup exigé de vous. Peut-être beaucoup trop. Mais je ne dois pas fuir. Je dois rester ici. Je reste avec toi, Jason. Et moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, aussi. Inutile de demander. Argos, je ne peux pas vous demander de vous battre contre votre maître, Pélias. Jason, tu es mon maître maintenant. La cavalerie, environ 200 hommes. Ils approchent, il faut se dépêcher. Allons-y. Attends, Jason. Je connais un chemin menant au cœur du palais. Ils ne s'attendront pas à nous voir arriver par là. Dis-moi. Il y a un tunnel, un passage dans le temple. L'entrée se trouve quelque part dans la forêt. Mais je pense pouvoir la retrouver. Cela remonte à il y a bien longtemps, quand j'étais capitaine des gardes. Capitaine sous les ordres de ton père. C'est moi qui t'ai conduit hors du temple et qui t'ai amené jusqu'à Chiron. Oui, bien sûr. Le soldat. Alors c'est à toi que je dois d'avoir la vie sauve. Non, Jason. Tu ne me dois rien. Jadis, je n'ai pas réussi à protéger ton père du danger. Et aujourd'hui, c'est pareil pour toi. Dis-moi, où est ce tunnel ? L'entrée est loin, à l'extérieur de la ville. Mais il faut que tu possèdes la clé. Et cette clé, c'est l'amulette que ta mère t'a donnée. J'ai perdu l'amulette. Je l'ai perdue à Lemnos. Sans cette clé, tout devient impossible. Il n'y a pas un autre moyen ? Non. Attendez ! C'est moi qui ai la clé. Je l'ai trouvée à Lemnos. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'acheter. Elle en vaut la peine. Elle vaut un royaume aujourd'hui. Je le jure devant tous les dieux. Jamais plus je ne recommencerai à voler. Conduis-nous, Mopsis. C'est pour le royaume ou pour elle? Pour moi, c'est la même chose. Je suis Médée, fille de Hédia, fille de Phrixus. L'enfant né par le sang de la Toison d'Or. C'est moi qui en ai la garde sur cette terre, et ce n'est que par moi que vous pourrez en obtenir le pouvoir. Qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité ? Votre Altesse, les augures savent que Hédia était une grande sorcière. Et qu'elle avait le pouvoir de guérir. Oh!
Impressionnant. Tels sont mes pouvoirs, ils me viennent de la toison. Je dois aller là où elle va. Ah oui. Pourquoi cette magie ne fonctionne-t-elle pas avec moi? Parce qu'il faut d'abord que je vous accorde ma bénédiction. Ce n'est que par moi et de ce fait par le sang de Phrixus que vous pourrez recevoir ce pouvoir. Et qu'attendez-vous de moi en échange? Je veux être votre femme. Et gardienne de la toison pour l'éternité. Tel est mon destin. Faut y aller. Ne reste pas là. C'est par ici. Vous devez plonger votre corps dans cette eau. Alors, vous obtiendrez les pouvoirs de la toison. Vous ne vieillirez plus et resterez éternellement jeune. Et nous régnerons pour toujours. Votre Altesse, nous n'avons aucune garantie.
De quelle façon saurons-nous si ce qu'elle dit est vrai? Parce que c'est toi qui vas d'abord entrer dans l'eau. Allons. Vous avez revêtu la toison. Cela comble-t-il tous vos désirs? Ses pouvoirs vous ont-ils rendu éternel? Ai-je l'air d'un immortel? Hein? La toison n'a pas de pouvoir. Elle n'en a que dans l'imagination de ceux qui veulent la posséder. Nous sommes maîtres de notre destin. Par nos actes. C'est une supercherie. La supercherie est une chose que vous semblez bien connaître. Combien de gens sont morts pour que vous vous empariez de la toison? Et maintenant, que vous apporte-t-elle? Mon épée en travers de votre gorge. Et le peuple priant pour que vous mouriez. Vous allez me tuer. Je ne supporte plus de voir verser le sang. Et j'ai pitié de vous. Oh. Puisses-tu ne jamais connaître tous les malheurs qu'amène la vieillesse. J'ai tellement souffert à force de vouloir absolument cette toison. Mon fils est mort, mon royaume est perdu. Tiens, je te la donne. Fais-en ce que tu voudras. Reçois-la avec ma bénédiction. Et aie pitié de moi. Puis va au-devant de ton destin. Non, mon destin est de devenir roi.
J'ai promis aux dieux que je serai fidèle et loyal. Je te promets que nous serons toujours au service du peuple et de ce royaume. Nous apporterons autant d'harmonie sur cette terre qu'il en existe dans le ciel.